Bienvenue sur FR Delinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Ici, tout commence ». Spoilé, pour Tessier, Louis n'était plus valable pour lui de profiter d'eux. Après la révélation de Claire, Clotilde a temporairement pris la direction de l'Institut Ici Tout Commence. Si elle veut aussi écarter Tessier, la mère de Jérémy va tout redistribuer d'ici. Claire a finalement lâché le secret entourant le testament d'Auguste Armand. Contrairement à Antoine et Rose, Clotilde voulait qu'elle soit renvoyée de l'hôpital. Louis n'a pas l'intention de pardonner à Claire. Il n'a pas enlevé l'autorité de l'école de cuisine. Mais Tessier l'a abandonné. Il pense que le fils de Claire ne lui sera plus utile. Antoine a informé Maxime et Salomé qu'il n'était plus exclu. Alors que Théo admettait que Tessier avait pris le cahier de Louis de sa mallette, Clotilde a finalement appris la vérité sur le testament de son père. Tessier s'est assuré de ne pas faire chanter Claire. Leur disqualification semblait inévitable. Mais Rose incite Clotilde à opter plutôt pour une mise à pied. Clotilde accepte de reprendre temporairement l'administration de l'école de cuisine. Elle les a assurés qu'elle avait agi à la demande de Louis. Clotilde interroge sa famille sur son arrivée à la direction de l'Institut. Comme Guillaume, Jérémy l'encourage à abandonner. Mais la décision n'a été prise que par Clotilde. Au même moment, la fille d'Auguste Armand avait une explication à Claire. Elle l'accuse de chercher systématiquement à se cacher derrière Louis, alors qu'elle ne cesse d'agir pour son intérêt personnel. Clotilde informe Antoine et Rose que ses priorités ont changé. Elle a renoncé à prendre la direction de l'Institut. Celui-ci appartiendra à Tessier ou Claire après un concours culinaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci.